Hello tout le monde, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Et oui, comme vous avez pu constater, on est de nouveau dans ma cuisine aujourd'hui. Je ne vais pas vous faire une recette, on va faire autre chose. Mais avant qu'on commence cette petite vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. C'est le petit bouton qui ressemble à celui que vous trouvez en bas, d'activer les petites cloches pour savoir quand je mets mes prochaines vidéos. Et de partager, de liker, de laisser des commentaires. Enfin, vous connaissez tout. Donc aujourd'hui, nous allons faire des cocktails. Vu qu'on arrive gentiment dans la période estivale, c'est sympa de faire 2-3 cocktails pour se faire plaisir et pour faire plaisir à ses invités. Donc on va pas traîner et je vais vous montrer ce qu'on va faire. Allez, c'est parti, générique. Bon, comme je vous ai dit, on va faire des petits cocktails. Donc je vais vous faire 3 cocktails à base d'alcool, qui est à base de rhum, et en sans alcool, c'est un dérivé dedans avec alcool, mais vous verrez, c'est fort sympathique. Donc on va faire le petit planteur spécial Caraïbe, on va faire aussi un petit Mai Tai, et on va faire aussi un zombie, vous allez voir, c'est fort sympathique. Et l'autre qui est sans alcool, c'est une variante du planteur, qui est très très bon. Donc comme ça, si vous avez des enfants, vous pouvez faire un planteur pour vous, et un autre cocktail sans alcool pour vos enfants, qui est sur la même base. Bon, on va pas traîner, et on va commencer ceci. Bon, on va commencer tout bêtement. Le premier, on va faire un petit zombie. Donc déjà, tu as besoin soit de ceci, qui n'est pas le meilleur, parce que c'est ça, un truc bas de gamme, pour pouvoir shaker ton cocktail. Sinon, tu as les autres vrais shakers avec les deux parties métal, et ils sont nettement mieux. Mais on a quand même besoin de ceci. Donc, pour faire notre zombie, nous avons besoin, tout bêtement, déjà de rhum ambré. Ah, c'est toujours bien. On a besoin de rhum blanc 50 degrés aussi. On a besoin d'une liqueur d'abricot. Donc moi j'ai la douceur d'abricotine de chez Morand, c'est royal, c'est tip top, ça va super bien pour faire ça. Évidemment, nous avons besoin du jus d'ananas, nous avons besoin de citron vert, nous avons besoin aussi de sirop de grenadine et de sucre de canne. Et voici, sans oublier évidemment des glaçons, parce qu'on en aura besoin, et en verre après pour faire notre petit cocktail, parce que là je vous donne pour faire des grands à peu près dans cette taille, ça va nickel si vous voulez mettre des glaçons dedans. Moi, comme tous les ingrédients sont quasiment frais, je vais pas y faire dans ce grand, mais c'est plus rigolo quand vous faites là-dedans, vous faites vos cocktails, vous mettez des glaçons et vous versez. Après, j'ai encore ceci, c'est un petit doseur justement pour les quantités. Donc ici, j'ai jusqu'à 2 centilitres et ici, j'ai 4 centilitres, donc c'est vachement pratique pour pouvoir doser. Donc, première chose qu'on fait, on commence toujours, hop, on va mettre un peu de glaçon. Hop, voilà. On commence toujours par les alcools. Donc on sait qu'on a 3 centilitres de rhum blanc pour faire ce cocktail. Donc on prend le petit doseur. Hop, 3 centilitres de rhum blanc. Après, on a 3 centilitres de rhum ambré. Voilà, ceci. On a de la liqueur ici d'abricot. On a 1,5 centilitres. Hop, voici. Donc là, nous avons déjà mis les 3 types d'alcool. Ensuite, nous avons le jus d'ananas, le citron, les sirops. Donc on va mettre d'abord les sirops. Donc c'est un trait de sirop de grenadine. Donc vous enquiquinez pas, vous venez. Voilà. Un trait de sirop de grenadine, pas besoin de plus. Après, on a besoin par contre du sucre de canne, sirop de canne qui est ici. On a besoin d'1,5 centilitre. Donc là, on va quand même le mesurer, c'est toujours mieux. Hop, voilà. On le met là-dedans. Et ensuite, nous avons les jus. Mais, ce qu'on va faire, on va déjà shaker ceci. Hein, hop, ça le problème. C'est qu'on peut avoir ici des fuites, mais bon. Voilà.
Maintenant, ce qu'on fait, on va prendre, je vais quand même prendre le grand verre, c'est toujours plus sympa. Ah non, allez. Ouais, on va quand même prendre. Alors, on va mettre. Je vais pas trop en mettre de glaçons parce que ça a déjà bien rafraîchi, mais quand vous le faites, vous pouvez remplir de glaçons. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre les jus de fruits là-dedans. Donc, on a besoin de 6 centilitres de jus d'ananas. Donc, hop. Comme je vous dis, ici, c'est 4. Hop. Hop. Et 2. Voilà. Hop. Et on a besoin aussi. Bah. C'est tout en fait. Hein. On a besoin que. Et puis, on a besoin de 2 centilitres de jus de citron. Hop. Et là. Hop. Nos jus de citron. Voici. Donc, vu que là, on a déjà bien checké ceci, on a tout mis maintenant, tout bêtement. Hop. Après, si vous voulez pas vous embêter, vous mettez tout dedans, vous checkez et ça va très bien. Hein. Et voici le premier petit cocktail qui est fait. Donc on va laisser de côté et on le goûtera après. Ensuite, je vous ai dit qu'on allait faire un petit Mai Tai. Donc là, donc c'est un petit peu différent. Là, il faut du rhum impérial. Malheureusement, j'ai pas de rhum impérial, mais on y fera avec du rhum blanc, ça ira tout aussi bien. Donc on reprend. À mon avis, on peut le faire comme ça aussi, ça va très bien. Donc, allez hop, on remet des glaçons dedans. Hop. Ensuite, nous avons besoin. Alors, comme je dis, pour le suivant, le Mai Tai. Donc, on reprend notre shaker avec des glaçons. Et on commence directement. Il faut du rhum impérial. Comme je vous ai dit, j'en ai pas. Donc, on va mettre du rhum blanc tout bête. Donc, 3 centilitres. Là. Hop là. Voici. Ensuite, alors, il nous faut du rhum royal impérial. Ben. Ça sera aussi de l'ambré, ça va très bien. On a dit 2 centilitres. Hop là. Voici, voici. Nous avons besoin aussi du triple sec. Du triple sec, j'en ai pas, mais ça fait tout aussi bien le fait. Du Cointreau, c'est de la liqueur orangée. Donc, vous pourrez mettre du Grand Marnier aussi, ça va tout aussi bien dedans. Donc, pour faire ceci, 2 centilitres aussi. Hop, et voici, c'est fait. Et nous avons besoin aussi de sirop d'orgeat et de jus de citron vert. Donc, on va ajouter encore le citron et le sirop. Donc, il nous faut encore 3 centilitres de citron vert. Hop. Centilitres de citron vert et on a besoin du sirop d'orgeat. Nous avons besoin d'un centilitre de sirop d'orgeat. Hop, et puis voilà, on a tout ce qu'il faut pour aller dans notre Mai Tai. Maintenant, il nous reste à faire, on ferme ceci, on ferme et on check. Donc maintenant, on prend un petit verre, ça suffit largement pour le Mai Tai. On met des glaçons. Et voici notre petit Mai Tai. Bon, on va continuer avec le planteur. Mais avant qu'on fasse le planteur, je vais vous faire le cocktail sans alcool pour les enfants. Vous verrez, il est super cool. Et en plus, ben, c'est le même pour faire le planteur. Vous aurez juste une petite différence à faire. Donc, premièrement, ce que vous pouvez faire, il nous faut de la cannelle. Donc, voici de la cannelle. On va quand même mettre, allez, hop, quelques glaçons. Là, cannelle, il vous faut, allez,
1, 2, 3, 4, 5. Ça suffit, pas besoin de plus. Vous avez besoin aussi de vanille. Alors, vous pouvez mettre une gousse de vanille, mais ce que je vous conseille, franchement, pour faire des petits cocktails comme ça, c'est de la pâte de vanille bourbon, ça suffit largement. Vous mettez juste, franchement, il n'y a vraiment pas besoin, voilà, juste un tout petit peu. C'est juste pour voir les petits grains de vanille qui seront dedans. Vous avez besoin aussi, évidemment, d'un petit peu de sirop de vanille. Aussi, vous allez mettre, allez, on va mettre combien ? Un centilitre de sirop de vanille, ça suffit largement. Ensuite, il nous faut du sirop grenadine aussi. Vous allez mettre un centilitre aussi, vous n'avez pas besoin de plus. Là. Et ensuite, comme je vous dis, c'est le cocktail sans alcool pour les enfants. On va mettre un petit peu jus de goyave. Allez, on fait 4, 6 centilitres, ça suffit largement. Après, il nous faut du jus d'ananas. Vous mettez 6 centilitres aussi. Et ensuite, il nous faut du cocktail de jus de fruits. Vous mettez 12 centilitres. Ensuite, il nous reste à prendre ceci, de nouveau. Et on shake. Maintenant, on rajoute quelques glaçons dans nos verres. On prend, évidemment, notre petit cocktail qu'on vient de faire. Voilà, l'effet de bien shaker, c'est qu'on voit de la mousse. Donc maintenant, ça c'est fait. Si vous voulez faire du planteur avec celui-là, vous rajoutez du rhum. Mais maintenant, je vais vous montrer le vrai cocktail planteur qu'on m'a appris en Martinique. Alors là, je vais vous faire le cocktail planteur martiniquais qu'on m'a appris à faire en Martinique et que j'ai un petit peu amélioré encore à ma sauce. Donc, première chose aussi, comme je vous dis, on va remettre, allez, quelques glaçons là-dedans. Voilà, c'est vraiment, il faut en mettre 4-5. Hein. On met de nouveau 5 petites coups de cannelle. Il n'y a pas besoin de plus, hein. On va mettre de nouveau, on part exactement sur la même base, un petit peu de vanille liquide et 1 centilitre de sirop de vanille. Après, on repart de nouveau sur du sirop de grenadine. Ici, vous me remettez de nouveau 1 centilitre, il n'y a pas besoin de plus. Nous avons aussi du sirop de canne, donc on remet 1 centilitre de sirop de canne. Voici. Donc là, on est à peu près sur la même base que le cocktail précédent. Simplement, maintenant, ce qui différencie, c'est qu'on met du rhum. Donc, pour faire ceci, on va déjà mettre 3 centilitres de blanc. Vous mettez 3 centilitres de rhum ambré ou de rhum vieux, si vous voulez. Et après, on met, vu qu'on, le rhum, là, c'est un tiers. Donc on a mis 6 centilitres de rhum. Donc nous allons mettre 6 centilitres de jus de goyave. Et
nous mettons 6 centilitres de jus d'ananas. On prend un autre verre, on va mettre là. Maintenant, ce qu'on fait, on va checker celui-ci. Et on check. Mais avant de verser, petite touche finale, juste pour donner un petit coup d'acidité, un petit trait de citron vert dans le verre, et après vous versez votre cocktail dans votre verre. Bon, ben voilà, nous avons réalisé nos 4 cocktails faits maison, voilà. Donc, comme je vous dis, le premier, il est ici. Voici, vous pouvez voir la couleur, comme elle est sympa. Il n'y a plus beaucoup de mousse, parce que vu que j'ai fait les autres, voilà. C'est, comme je vous dis, ceci, c'est le zombie, qui est à base de liqueur, tout le bordel. Donc, par contre, c'est à consommer avec modération, parce que c'est quand même des cocktails. Il est très très bon. On aurait pu remettre peut-être encore un petit peu de sirop de grenadine, mais moi je trouve que il est pas mal. On sent le Cointreau, on sent le rhum aussi, mais pas trop, donc c'est pas mal. C'est très très rafraîchissant. Et après vous pouvez agrémenter si vous voulez d'une petite orange dessus ou un petit citron, comme vous voulez, ou même un peu d'ananas aussi. Mais je serais plus parti avec de l'orange. Ensuite, nous avons le Mai Tai. Allez, on voit tout de suite la différence de couleur. Beaucoup plus clair. Ce qui à la base, c'est que du rhum, du Cointreau et du citron. Alors là, on sent bien à force le citron. Donc là, on peut mettre un petit coup de, une petite tranche de citron vert pour la déco. On sent tout de suite, c'est beaucoup plus punchy, mais c'est super bon. Donc attention, hein. Ah ouais, c'est super. Moi j'aime beaucoup ces cocktails, ils sont très rafraîchissants. Ils sont traîtres, je vous l'accorde, parce qu'il y a quand même pas mal de rhum, enfin pas mal d'alcool d'origine, donc c'est assez traître. Justement, en parlant traître, on change. Voici le même que je vous dis, le planteur pour enfants ou pour adultes qui boivent sans alcool, ou ces mesdames si elles sont enceintes. Voici, c'est le planteur sans alcool en fait. Voilà, on peut dire aussi que c'est le cocktail Le Jérémy. C'est quelqu'un qui m'a appris à le faire aussi comme ça. C'est très très bon. Celui-là, je peux le boire en me faisant plaisir. Il n'y a pas d'alcool, donc ça va bien. Donc quand je vous dis là-dedans, quand vous faites un cocktail comme ça pour les enfants ou les femmes enceintes, quand je vous dis, si vous voulez l'agrémenter pour vous, vous rajoutez 3 centilitres de rhum avant de verser la préparation dans le verre et vous avez votre planteur. Voilà, ça vous pouvez faire une grosse recette de Jérémy sans alcool, et au moment de servir, et ben dans les verres vous rajoutez 3 centilitres de rhum pour vos invités, ceux qui veulent l'alcool, et sinon les autres sans alcool. Voilà. Et nous arrivons au dernier, mon préféré, hein, le planteur fait maison qui m'a été appris à faire aux Caraïbes. Voilà. Donc là on voit, il y a encore un peu de mousse parce que je l'ai bien checké. Les autres, il y avait de la mousse comme ça aussi avant, mais là voilà, il y a encore un petit peu de mousse. Là vous mettez un petit bout d'ananas, une petite paille, et on serait au bord de la mer. Donc on goûte. Il est très bon. Alors je vous ai dit de mettre 5 tables de cannelle, mettez-en 3, ça suffira largement. Parce que sinon, il y en a un petit peu trop. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo de dégustation, d'apprentissage, comment faire 2-3 cocktails sympathiques pour cet été vous a plu. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de vous faire découvrir ces petits cocktails que j'affectionne
tout particulièrement. Donc prenez soin de vous et pensez-vous à tout bientôt. Allez, ciao ciao.